Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, on va faire un robot lambda, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. J'aimerais vous montrer quelque chose, essayer de faire quelque chose avec vous, mais pour ça je dois m'assurer que tout fonctionne comme il faut. Je vais donc faire, je sais pas, crac. Voilà, on s'en fout. Back to main menu. Crack, upload, Marcus, bonus, test, voilà, hop, test, i, vous savez quoi, voilà, bon, je fais ça, il l'a pris, et donc, je vais là, dans mes robots, et voilà, on a Marcus, bonus, test, ok, je retourne dans le garage, je le supprime. Ok. Est-ce qu'il est toujours ici? C'est-à-dire, est-ce que par exemple je peux... voilà. Je peux... Comment je fais pour l'acheter? Ah, je peux peut-être pas racheter mes propres robots. On va voir. J'ouvre une interface lambda. Voilà, là je peux aller là, y a pas de souci. Si je prends mes propres robots, ici, je ne peux pas y aller. D'accord. Ah, c'est dommage. C'est dommage, chers amis, parce que je voudrais supprimer un robot et être sûr de pouvoir le refaire derrière. Mais le jeu ne veut pas. Bon. Le jeu ne veut pas. Ok. En fait, ce que je voulais, c'était supprimer le Rhino. Supprimer le Armored Rhino. Drifter. Ah oui, le Drifter, exactement. J'avais oublié celui-là. Supprimer le rhino, récupérer les deux shotguns et faire autre chose avec. Malheureusement, ce n'est pas possible. Bon. Du coup, on va repartir en mode build, je pense. Build. Voilà. Hop. Edit your robot. On va se faire un petit robot rapidement. On va commencer par les pièces lourdes. Alors, je cherche toujours des tutos, chers amis, pour correctement construire mon robot. Hein. Je suis toujours à la recherche de toutes ces choses-là. Et je vous invite encore une fois, comme d'habitude, à le mettre, le poster dans les commentaires. Si vous avez des liens vers des bons tutos, si possible pas en vidéo, que je puisse vraiment lire, bouquiner le truc et vraiment travailler dessus. Parce qu'en vidéo c'est compliqué de travailler dessus, faut toujours faire gauche-droite, alors que sinon je le mets sur un... Je note sur un papier ou je fais un copier-coller et puis n'importe quoi, et puis je fais... ça permet de voir en fait, simplement. Donc bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme type de véhicule? Oui, parce que j'ai supprimé le robot à roues, hein. Clairement, là, je m'attendais à beaucoup mieux et je suis assez déçu. Mais bon, c'est comme ça. Ou alors, exceptionnellement, on part sur un robot de la factory. Pourquoi pas? Alors. Cosmetic rating. Any cost, c'est pas grave. Any weapon. Alors, weapon, qu'est-ce qu'on fait en... Attendez. Voilà, je m'envoie des textos. Hop, non, cassez-vous. Laissez-moi tranquille. Striker RF. Ah, mais y a rien dessus. C'est bête. C'est stupide. Je préfère quand il y a les armes dessus, c'est plus facile. Drone. Ouais, ça doit pas être hyper solide. Hein. Republic Cruiser. Oui, je vois ce que c'est. Carte, bloc, voyage. Ok, ça a pas l'air hyper puissant quand même. Hein. Non, je voulais pas des chain guns, je voulais principalement, voilà. All robot CPU. Voilà, on va aller là-dedans. Ok. Donc, un truc sympa. C'est joli, est-ce que c'est solide, cela dit? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit solide. Le Raptor, ça a l'air sympa aussi, ça. Ça a l'air drôlement sympa, même. Ok. Ouh, apparence machine. Ouh, c'est stylé. Alors, attendez, on va essayer de faire les deux. Hop, attendez, il y a les most bought. Enfin, les plus achetés aussi. Je sais pas comment, j'ai jamais su dire ça. TX Hornet. Oh la gueule. Ah, c'est joli, remarque. Hein. Ah là, je reconnais qu'il y a du style.
Ça va pas être hyper efficace, mais il y a du style. Alors ça coûte assez cher tout ça, hein, je... Sympa aussi celui-là, dis donc. Peut-être bien plus performant que le mien en plus. GG. GG à celui qui a fait ça. C'est extrêmement stylé. Voyons un truc qui n'est pas forcément extrêmement cher. Donc ça, j'ai déjà plus ou moins ce genre de choses. Ok. Keyboard Crasher. Oh la vache. Oh la vache. Ça a l'air sympa aussi. Air Floater. D'accord. Pourquoi pas. Oh. Oh, c'est stylé ça, dis donc. Par contre, c'est uniquement sniper. Ah, ça vole aussi. Ah, intéressant. Intéressant. On cherche un robot qui soit sympa quand même. Il n'y a pas beaucoup d'armement là-dessus. Hein. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est un anti-air. Littéralement un anti-air. Qui est capable de prendre des tours, je pense. Ah, c'est intéressant aussi. C'est intéressant. Le Viper, là. Ouh, ça c'est joli. Ouh, ça c'est joli. Ça, c'est très 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 joli, mais ça coûte cher. Shredder. Ah oui, d'accord. Non. Mammoth. Ouh, c'est joli aussi, ça. Mais non. Mais non, mais non. C'est quoi, ça? Ouh. Ouh, c'est stylé. Ça doit être hyper fragile, mais c'est stylé. Darkstar. Ouh. Ça aussi, ça me plaît, ça. Ça me plaît énormément. Ça, c'est peut-être un truc pour lequel on va opter plus tard. Hein. À la place du Rhino. Ouf. Ça doit faire tellement mal, cette histoire. 39 000. On en a pas beaucoup, des robots comme ça. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Waouh, il est stylé aussi, celui-là, dis donc. Oh là 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 là. Il y a des malades mentaux là-dessus, dis donc. Bon, on va partir sur quoi? Non. Shox, c'est quoi? Ah, ça coûte cher. C'est stylé, cependant. On part sur quoi? Il n'y a pas d'armement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça, c'est stylé, ça. Mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Si, c'est stylé, mais ça non plus, c'est pas vraiment ce que je recherche. Ça, c'est stylé, mais ça coûte cher. Ça, ça coûte encore plus cher. C'était quoi, ça? C'est moche. Ça, par contre, c'est moche. Je sais pas si c'est efficace, mais c'est moche. Donne-moi un truc sympa, pas trop cher, je... Oh, c'est joli, ça. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Doomsday! D'accord. Si tu le dis. Si tu le dis. Bon, on partirait bien là-dessus. Un hélicoptère supplémentaire, on a beaucoup d'aériens. Ah, on a beaucoup trop d'aériens. Je pense qu'on va partir sur le tank Triforced. Là, celui-là. Et on va bien voir. Hop. Qu'est-ce que je n'ai pas, en fait, en vrai? Que je puisse savoir. Je ne sais pas. On va le prendre. Hop. Et on va partir avec. On va bien voir si oui ou non il est efficace. Après tout, pourquoi pas? Hop! Ça va nous changer des épisodes classiques. Ok. On est à combien de CPU? Parce que limite, on peut peut-être rajouter un petit truc dessus, non? Je sais pas. Genre une tête de... Oui, on peut peut-être rajouter un truc dessus. Bon, je voudrais bien rajouter une tête de commande... ça... Hop. Un cube classique, s'il te plaît. Hop. Moi, j'aimerais bien rajouter une tête de... Oh là là, c'est moche, ça. Hop. Crac. Hop. Deux tortues, pardon. Je vais y arriver. Si j'en ai suffisamment. Oui, j'ai ce qu'il faut. Alors par contre, d'ici là que je me souvienne comment on la place.
Ok, ça c'est bon. La mâchoire. Non, ça c'est la mâchoire de pas de tortue, ça. Je me rappelle plus. Hop, essayons ça comme ça. Essayons ça comme ça. Ah mais merde, vous allez y arriver les mecs. J'ai l'impression que plus j'avance, plus j'en chie. Voilà. Hop. Ensuite, la tête. Et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille alouette. Alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Ça avait l'air d'être ça, mais alors... Ok. Ok. Hop, parfait. Crac. J'espère que j'ai pas rompu en fait toute l'intégrité du robot. Ce serait cool. Merci. Hop. Crac. Hop. Ok. Pourquoi pas le mettre en bleu? Justement, il était en bleu à la base. Ça fera office de dommage, entre guillemets. Ok. Maintenant, en dessous. Il va être temps qu'on solidifie tout ça. Ah, ok, ça va être compliqué. Ok, là aussi. Ok, bon. Hop. Essayons ici. Ok, ça passe. Pour moi, c'est bon. Tout est bon. Hop. Ok, bon. Et bah ça c'est fait. On a une bonne grosse tête de tortue. Voire même qu'on pourrait peut-être rajouter encore un petit truc dessus. Ça prend combien de place hein? Enfin combien de flops hein? Un truc 290 pardon. Ah 290 j'ai pas assez. Ok. Sinon niveau détection on a ce qu'il faut derrière ou pas? Apparemment oui. On a ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter techniquement? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter techniquement? Pas grand-chose. Des phares. On peut rajouter des phares si on veut. Oui! Oula. Gros lag du jeu, pourquoi pas. Hop. Ok. 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 Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Essayer de rajouter ça pour le rendre un poil peut-être plus solide. Hop, ça aussi. On verra bien si c'est efficace ou pas. Ok, ça c'est fait. Ça aussi. J'ai l'impression qu'il manque des bouts à ce vaisseau, c'est rigolo. C'est bon. Crac. Bon, me dites pas que j'ai dénaturé le robot, c'est fou. Un petit peu peut-être quand même. Ok. Ok, ok. Bon. Ah ben on va essayer, pardon. Hop, G. C'est parti. Hop. Et on va partir en Battle Arena. Hop, c'est parti. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Alors, Aeroflag Guardian. Guardian, Guardian. Guard. Ouais, normalement c'est Guard. Guardian.
Moi et l'anglais, hein. Autant je l'écris bien, et... enfin bien, je me fais comprendre, autant mes accents sont toujours chiatiques, on va dire chiatiques. Alors, c'est quoi cette image moisie? C'est quoi cette image de clan moisie? Je veux pas dire, mais là c'est bizarre. C'est pas du tout ce que j'ai mis en image de clan. Bon, on verra bien. J'entends que ça booste de partout. C'est la guerre. Oh nom de Dieu, c'est la guerre. Pipiripiri. Moi bon, j'avance tranquillement. Tranquille, Emile. Est-ce que tu peux spot les ennemis, Simone, ou pas? Avant de te faire défoncer? Ah bah voilà, mais là c'est fini, hein. Ah non, il est juste mauvais par contre. Ils sont juste mauvais. Et donc, il y a un Shred qui m'attaque de par le haut, c'est ça? Il y a un Shred qui fait pleuvoir la désolation? Oui, tu veux bien perdre ton avance, s'il te plaît? Hop! Hop! Aïe! Aïe! Si t'avais du heal, je serais pas contre! Ah! Attends, j'essaye de reculer! J'essaye de reculer! Oh non, par contre, ça c'est impossible, ça! Ça devrait pas exister, ça. Le coup du je te tire mais je te vois plus, ça devrait pas exister. Ne faites pas une portée d'armes supérieure à la visibilité du jeu, c'est pas normal. C'est écœurant. Parce que si vous avez pas vu votre cible, vous êtes dans l'incapacité de la voir en fait. Et donc de la toucher précisément. Vous voyez, regarde, je sais que ça tire de par là, mais. Hop. Hop. Hop, il se barre comme ça au moins. Alors, la suite. Moi aussi, j'aimerais bien le toucher un jour, mais... Ah, ça y est. Hop. Reste chez toi, ça vaut mieux. Hop. Il va voler par-dessus, non? Non? Si? Oui? Non? Oula. Hop. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Oh non! Et qu'on vienne pas me dire que les... Ah! Qu'on vienne pas me dire que les shreds ça fait pas de dégâts à longue distance. Là par contre je suis désolé. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Oui bah vous êtes rigolo vous. Moi je suis tout seul. Oh mais merde! Ah, mais je me fais défoncer de partout! Hop, raté! T'es trop mauvais! Oh, mais merde! Aïe! Bon, bah voilà, ça c'est fait! Je me suis fait défoncer! Mais ce n'est pas grave! Mais oui, on est tout seul! Oh, je suis dans les pires joueurs par contre, ça c'est triste. Avec un vaisseau tout neuf, c'est triste. Hop.
Oh mais merde. Hop. Bon, j'ai régène, je fonce. Hop, m'en fous. Ah, mais qu'est-ce que tu fous derrière moi, toi? Hop. Crac. J'entends plus rien, le jeu m'explose les oreilles. C'est d'une tristesse, j'espère que ça va pour vous. Si c'est trop fort, vous me le dites dans les commentaires. Hop, mais j'entends strictement plus rien. Pourtant, j'ai baissé la musique et tout ça à fond. Hop. Et là, forcément, on n'a pas le moindre anti-air. Oh la vache. Reculez. Hop. Wouh. On a toujours pas les options. Bah non. Pourquoi mettre des options dans un jeu? Ok. Ah non, c'est un tir de sniper, d'accord, j'avais pas capté. Je n'avais pas capté que c'était un tir de sniper. Hop. Reviens plus tard. En fait, il fait les dégâts pour ses coéquipiers, quoi. Littéralement. Et mec ? Je suis à 11%, 9%. Hop. C'est de me planquer. Le jeu ne veut pas. Mais le jeu ne veut pas. Allez. Allez. C'est parti mon kiki. Tayo. Hop. J'ai plus de piles. Ah, il me saoule. Oh, à 3 km. À 3 km. Par contre, il y a un problème avec cette... Ok, cette image de... Quoi, ça parle comme dans... Ça parle comme dans Overwatch, ça y est. Hop. Il l'a eu, j'ai entendu l'explosion. Hop. Ok. Aïe. Non. Ah voilà, je me fais défoncer. Oups. C'est bête hein. Ah mais merde, ils m'énervent. Ils m'énervent avec leur shred. Ah.
Alors qu'on vienne pas me dire que le Shred est pas OP, honnêtement, quand on voit les distances à quelle... De toute façon déjà, rien que sur le principe, s'ils mettent un Shred sur un hélicoptère, c'est qu'ils arrivent à tirer de loin et à faire masse dégâts de loin. Soyons honnêtes. Une seconde. Allez. C'est pourquoi notre équipe joue les kills. C'est parti. Hop. Oh. Hop. Merci d'avoir pris le point. Hop. Oh, merci. Oh, c'est gentil, excuse-moi. Hop. Hop. Crac. Enfin, il prenait pas ce qu'il pouvait m'aider à rentrer dedans en fait. Hop. Oula, il se fait shotter lui. Il se fait shotter. Putain, je m'en doutais. Le respawn dans notre dos, je m'en doutais. Je l'ai vu gros comme un camion. Ça, je l'ai vu gros comme un camion, le coup du respawn dans mon dos. Hop. Vas-y. Hop les 145, GG. Je crois qu'ils ont abandonné, hein, clairement. Ils ont abandonné la partie. Et on est 3 à être au-dessus de... Ah bah d'accord. Bah j'ai bien remonté, remarque. J'ai bien remonté. Bon bah cool. Cool, cool, cool. Eh bah écoutez, pour une fois qu'on achète un truc. Hop, diamant, rare, rare, rare. Ok. Juste, alors regardez, diamant, ce qui est le deuxième rang, hein. Et j'ai deux rares et que du huc et deux drapeaux, quoi. C'est... Ah oui, c'est une tourelle, d'accord, j'ai pas capté ce que c'était. Enfin, c'est une SMG. Ok, level up, cool. Oh, truc de fou. 5, je peux mettre 5 cubes en plus. Eh bah écoute, il est bien. Et bah je l'ai amélioré, du coup il est stylé. Moi. Hop, alors c'est quoi cette histoire de... What the... Ok, ça je vais régler ça tout de suite, chers amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop.